Très chers amis, soyez de nouveau les bienvenus à ce troisième et dernier enseignement au sujet du chapelet, au sujet du rosaire de Marie, la Reine du ciel, notre Mère et notre Reine. Pour commencer cet enseignement, confions-nous au Seigneur, au Saint-Esprit de Dieu et demandons aussi l'intercession de notre Mère Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit Saint, inspiration divine, détruis en moi toute paresse spirituelle, toute indifférence, mes doutes et mes craintes. Comble-moi de ta lumière, de ta sagesse, de ta paix et de ta joie. Nous te demandons, Saint-Esprit de Dieu, de nous accompagner en tout instant de notre vie. À toi la gloire et l'honneur, la puissance et l'adoration pour les siècles des siècles. Amen. Confions cet enseignement à Maman Marie en disant: Sainte Mère du Rédempteur, porte du ciel, toujours ouverte, étoile de la mer, viens au secours du peuple qui tombe et qui cherche à se relever. Tu as enfanté, ô merveille, celui qui t'a créé. Et tu demeures toujours vierge. Accueille le salut de l'ange Gabriel et prends pitié de nous, pécheurs. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors si tu es d'accord, Hélène, reprenons quelques points de notre premier et notre deuxième enseignement à retenir pour mieux les comprendre et pour mieux les saisir. Je pense que c'est important. C'est important, oui. Alors, premier point. Nous avons appris que cette belle prière de l'Église est tout un héritage des moines qui l'ont développée, qui l'ont proposée au peuple de Dieu, et aujourd'hui, nous pouvons prier à Marie à travers cette belle prière. Elle a eu toute une transformation. Et à ce sujet, j'aimerais mentionner pour chacun et chacune de vous une petite chose que je n'ai pas mentionnée lors du premier enseignement. Veux-tu la connaître? Oui. Parfait. L'Église a reçu le rosaire ou le chapelet dans sa forme actuelle lors de l'apparition de la Vierge Marie à Saint Dominique de Guzmán. C'est un saint espagnol. Et la Vierge Marie lui a révélé dans son message que la prière avec dévotion du Saint Chapelet était une arme puissante contre toutes les attaques du mal, contre Satan. Alors, la forme actuelle, la structure actuelle, c'est de là que ça vient. Saint Dominique de Guzmán. OK? Parfait. Deuxième point. Nous avons appris aussi que rosaire vient du mot rose et que le rosaire est une couronne de roses offerte à la Reine du ciel, à Marie. Troisièmement, nous avons appris que nous n'adorons pas Marie. Seul Dieu est adoré par toutes les générations, passées et futures. Et Marie, nous la vénérons, nous la respectons, nous l'aimons, nous essayons de mettre en pratique les vertus qu'elle nous apprend, etc., etc. Il y a une révérence de notre cœur, notre esprit, notre être à Maman Marie, nous la vénérons. Et quatrièmement, par cette belle prière, nous lui demandons d'intercéder pour nous. Elle est médiatrice de toute grâce. Ça veut dire qu'elle fait un pont entre Dieu et les hommes, dans lequel et à travers lequel toutes les grâces du ciel sont communiquées à l'humanité. C'est un dialogue d'amour et de grâce entre Dieu et les hommes. Et grâce à Marie, ce pont existe. Et elle intercède pour nous par sa constante intercession et prière. C'est clair? Ça, c'est le résumé du premier et du deuxième enseignement. Et comme ça, nous pouvons plonger dans l'enseignement d'aujourd'hui. Parce que, Hélène et chers amis, pour mieux profiter de cette belle prière de l'Église, il y a des conditions. La première condition, que pour toi et pour moi, le premier et le deuxième enseignement soient assez clairs. Dans la tête et dans le cœur. Parce que si tu les comprends, les deux, tu vas goûter aux délices de cette prière. Si tu ne les comprends pas, tu ne sais pas d'où ça vient et où est-ce que tu t'en vas avec. Mais si tu les comprends comme il faut, tu vas la prier encore avec plus de dévotion, plus de conscience, plus de connexion. Et la deuxième condition pour mieux profiter de cette prière, la voici. Il doit y avoir, absolument, il doit y avoir une belle et bonne connexion entre la tête et les pensées, les paroles, les lèvres, la bouche et le cœur. Ça veut dire que la prière du chapelet implique une certaine vitesse normale, de pas se dépêcher, courir. Non, parce que si tu cours durant cette prière, la déconnexion se fait. La tête, pas branchée avec les paroles, pas branchée avec le cœur. Alors, ça prend une vitesse normale dans laquelle tu comprends ce que tu dis. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur, tu es bénie entre toutes les femmes. Ça sonne pas mal mécanique. Mécanique et laid, oui. Pour Maman Marie, le meilleur. Le meilleur. Je te salue Marie, pleine de grâce. Goûte, savoure chacune des paroles que tu prononces et ça va mieux aller. Que ta tête, ta compréhension, ton intelligence et tes pensées sachent qu'est-ce que tu prononces par ta bouche et que ça reste pour toujours dans ton cœur et que tu ressentes au fond du cœur que ce que tu dis à Marie est vrai et que tu le fais de tout ton être pour elle. Tête, parole et cœur. Une connexion nécessaire pour que ta prière soit belle et parfaite devant le Seigneur et Marie. Serais-tu d'accord de dire que si le temps nous manque, c'est préférable de faire une dizaine bien faite offerte à Marie que d'y aller trop rapidement. Oui, 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 oui. Pour dire j'ai fait mon rosaire où j'ai dit mon chapelet. Oui, oui. Alors on ne s'en débarrasse pas. Non, et nous pouvons toujours chercher le meilleur moment pour le faire. Mais si il y a beaucoup d'activités à faire et que nous trouvons difficilement le moment, il y a cette option-là de faire une dizaine mais bien faite. Mais on a aussi la deuxième possibilité, c'est de faire les mystères avec 5 « Je vous salue Marie », la moitié, mais bien fait. Il ne s'agit pas du nombre, parce que l'Église nous propose 50 « Je vous salue Marie », mais si tu veux en faire 80, merveilleux. 95, merveilleux. Mais que le 95 « Je vous salue Marie » soit prononcé dans cette fusion entre pensée, parole et cœur. Si tu as le temps d'en faire 10, comme elle le propose, le suggère, que les 10 soient bien dites. C'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Non, la qualité, hein? Oui, la qualité, c'est nécessaire. Très bon ton commentaire, très bon. Alors, vous pouvez nous poser la question que voici, parce qu'elle est complètement valide. Hélène, l'abbé Carlos, quand nous lisons les évangiles, nous pouvons trouver dans les évangiles, je répète, que le Notre Père, il est écrit là, on peut le lire tout d'un coup, mais la prière de la Vierge Marie, « Je vous salue Marie, pleine de grâce », où est-ce qu'elle se trouve? D'où est-ce que l'Église a inventé et sorti cette prière? C'est pas inventé. C'est pas inventé. Non, pas du tout. Elle se trouve dans la Bible aussi. Voici l'attestation biblique de cette belle prière que tu prononces, que je prononce, qui unit nos cœurs et nos esprits avec le ciel. 100% biblique. 100%. Commençons. On plonge. On plonge, oui. Vous le savez déjà parce que vous avez appris à partir de notre enseignement que dans la structure du chapelet, nous commençons chaque mystère en prononçant le nom du mystère et en lisant le texte de la Bible d'où il est tiré. Alors, nous n'allons pas le lire parce que ça dépend de chaque mystère. Mais vous pourrez trouver dans les manuels, dans les dépliants que vous pouvez recevoir du Saint-Chapelet, vous pouvez lire les textes de chaque mystère. Jésus porte sa croix, la résurrection, l'ascension, etc., etc., etc. Deuxièmement, vous avez appris aussi que chaque mystère, après la lecture de la Bible d'où il est tiré, il y a un autre père qui suit. Toujours au début de la dizaine. Le Notre Père est 100% biblique. Vous le savez qu'il y a 4 évangélistes. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Dont 2 nous ont transmis ces paroles de Jésus, des paroles originales. Il y a l'attestation dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6, versets 9 à 13, et il y a aussi le témoignage ou l'attestation de l'évangéliste Saint Luc au chapitre 11, versets 2 à 4. Nous allons lire pour vous la deuxième attestation, celle de Saint Luc. Écoutons. Et il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour le pain qu'il nous faut, et remets-nous nos péchés, car nous-mêmes aussi, nous remettons à tous ceux qui nous doivent. Et ne nous induit pas en tentation. Amen. Plus clair, c'est impossible. C'est le Notre Père dans la Bible. Oui, nous l'avons adapté dans un langage liturgique avec d'autres mots que nous utilisons, mais c'est le même, notre Père, parce que ce sont des synonymes. C'est le même message. C'est le même message, exactement le même. Et avant de continuer avec le « Je vous salue Marie », il y a une invitation que nous voulons vous proposer, vous faire. C'est de sortir votre Bible à la maison. Vous trouverez, et vous le savez déjà parce que vous le voyez ici dans les enseignements, que le texte biblique est toujours affiché là sur l'écran. Alors, allez sortir votre Bible. Et en même temps que nous décortiquons le Notre Père, le Je vous salue Marie, cherchez vos textes. Cherchez vos textes et lisez-les vous-même à la maison. Et vous allez apprendre de belles choses. Ah oui, 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 tout se trouve dans la Bible. Il n'y a personne qui a inventé ça. Tout vient de la parole de Dieu. Nous vous encourageons à le faire. C'est important. C'est très important. La Bible n'existe pas pour la garder dans l'armoire ou dans la bibliothèque. La Bible existe pour la lire, pour se nourrir de la parole, pour vivre. Ta parole, Seigneur, me donne la vie. J'ai confiance en toi, nous disons. Le Je vous salue Marie. Commençons par les toutes premières paroles. Je te salue Marie ou je vous salue Marie. Je vais le prononcer autrement, voulant dire exactement la même chose. Sauf que je vais le dire en latin. Ave Maria. Ou bien Salve Maria. Voilà. Ave Maria ou Salve Maria, c'était la salutation qu'on adressait au roi et aussi à la reine. Ave ou Salve, ça veut dire je vous salue. Je vous salue. Salve. De nos jours, si on s'en va faire des achats, on a une belle rencontre, un retrouvaille, on ne dit pas « Salve !»« Ave !» Non, non, on ne le dit plus. Mais nous disons « Bonjour, comment allez-vous? Comment ça va? Ça va bien? Je te salue, comment ça va? Ça fait longtemps qu'on s'est vu. » « Ave !» !»« Salve !» qui veut dire « Salut !»« Je vous salue !» Nous nous trouvons dans le contexte de la visite de l'archange Gabriel à Marie lors de l'Annonciation. Et notre texte vient de l'évangile de Saint Luc. Saint Luc a eu un privilège énorme, énorme. Il a connu la Vierge Marie et il a pu écrire dans son évangile beaucoup de témoignages au sujet de l'enfance de Jésus et bien sûr de sa maman, de Marie. Alors, reprenons. Notre témoignage, notre texte vient de l'évangile de Saint Luc au chapitre 1, versets 26 à 28. Nous allons prendre pour la lecture d'aujourd'hui le verset 28. N'oubliez pas de le chercher dans votre Bible et de le constater vous-même. Qu'est-ce qu'on va démontrer? Le « Je te salue Marie »,« Je vous salue Marie »,« Ave Maria », « Salve Maria ». Écoutons. L'ange entra chez elle et dit. L'ange entra chez elle et dit. Je te salue, comblée de grâce. Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Oui. Est-ce que ça équivaut, Hélène, oui ou non, à dire Ave, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi? Oui. Est-ce que ça équivaut à dire Salve, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi? Ça équivaut. C'est la même chose, des synonymes. Comblé de grâce, ça fait le lien avec le deuxième enseignement que nous avons eu, où nous avons expliqué et appris qu'elle est porteuse de toute grâce, médiatrice de toute grâce. Alors, répète le texte. L'ange entra chez elle et dit, écoutez, je te salue, comblé de grâce. Le Seigneur est avec toi. Voilà. Ave Maria. Salve Maria. Et le Je vous salue Marie continue. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Qu'est-ce qui suit? Tu es bénie entre toutes les femmes. Maintenant, dans le même évangile de Saint-Luc, nous nous trouvons dans le contexte de ce qui s'est passé lors de la visite de Marie à sa cousine Élisabeth. C'est toujours Saint-Luc qui rend témoignage de cette belle visite d'une importance énorme. Énorme. Alors, contexte, la visite de Marie à sa cousine Élisabeth. Notre texte est tiré de l'évangile de Saint-Luc au chapitre 1, verset 40 et suivant. Écoutons. Marie entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Zacharie, l'époux d'Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, oui, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte. Écoutez. Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. Élisabeth fut remplie de l'Esprit. Le texte le dit. Si Élisabeth est comblée et habitée par l'Esprit, est-ce qu'Élisabeth disait des mensonges, oui ou non? Elle était comblée de l'Esprit, remplie de l'Esprit. Alors, elle parlait... Elle devait dire la vérité. La vérité, oui, bien sûr. Alors, dans toute la vérité de Dieu, parce que Dieu ne dit pas de mensonges, Élisabeth a laissé parler l'Esprit en elle, à travers elle, par sa bouche. Et elle a dit à Marie... Tu es bénie entre toutes les femmes. Tu es bénie entre toutes les femmes, comme on le dit dans le Je vous salue Marie. Et le fruit de tes entrailles est béni. Et le fruit de tes entrailles est béni. Hey, merveilleux, merveilleux. Voilà, on a décortiqué la première partie du Je vous salue Marie. La visite de l'ange lors de l'Annonciation et la visite de Marie à sa cousine Élisabeth. Texte biblique. Ça se passe de façon différente dans la deuxième partie du Je vous salue Marie. Quelle est la deuxième? Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pourquoi de façon différente? Parce que nous ne les trouvons pas, ces paroles-là, tout d'un coup, dans un texte biblique, mais ils se trouvent dans différents textes. Mais c'est toujours la Bible qui prononce la parole de Dieu. C'est toujours la Bible qui parle. C'est la parole de Dieu qui se montre à l'humanité tout entière. Alors, commençons par cette première partie. Sainte Marie, l'abbé Carlos, Hélène, Marie, sainte, comment le savoir? Avec quel texte biblique vous pourriez prouver, attester que Marie est digne de l'appeler sainte? Toi qui as la foi, tu le sais, elle est la mère de Dieu, elle est sainte. Mais avec des textes bibliques, découvrons pourquoi. Ça prend un discernement. Je vais vous donner, nous allons vous donner deux textes qui nous font penser à la sainteté, qui nous font conclure que oui, Marie est sainte. Le premier, toujours Saint-Luc, toujours. Nous avons déjà lu ce texte, mais nous allons le reprendre pour découvrir le mot implicite, sainteté. Saint-Luc, au chapitre 1, verset 28. Écoutons. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » Il y a deux éléments. Encore le contexte de la visite de l'ange à Marie. « Je te salue », ça ne parle pas de sainteté. Mais, « comblée de grâce », qu'est-ce que nous apprenons dans l'Église depuis toujours et pour toujours? Lors de la catéchèse aux enfants, pour la première communion, pour la confirmation, ce que vous devez savoir, que toute personne qui est habitée par la grâce divine, la grâce du ciel, on appelle cette personne une sainte, ou un saint. Alors, je te salue, N'oubliez pas que l'ange fut vraiment envoyé par Dieu. Va lui dire, c'est Dieu même qui envoie le message à Marie à travers l'ange. Alors, l'ange. Et il dit à Marie, « Salut Marie, Ave, salve. Voici ce que Dieu t'envoie comme message. Tu es remplie, comblée, habitée, pleine de grâce. Une personne, selon le magistère de l'Église, qui est comblée de grâce, qui possède en elle la plénitude de la grâce, on l'appelle une personne sainte. Première preuve que oui, Marie, c'est pas juste Madame Marie, elle est Sainte Marie. Premier texte. Deuxième conclusion que nous pouvons tirer de ce premier texte encore. Et l'ange continue. Le Seigneur est avec toi. Une personne qui est toujours accompagnée par le Seigneur. Une personne qui laisse parler le Seigneur à travers elle. Une personne qui permet au Seigneur de s'approprier de ses paroles, de ses opinions. Tu es toujours avec le Seigneur. Est-ce que c'est une personne méchante? C'est impossible. Impossible. Est-ce que c'est une personne inspirée et qui agit au nom du mal? Non, au nom du bien. Au nom du bien et au nom de Dieu. De Dieu. Alors, une personne qui compte toujours sur la présence de Dieu en elle est une personne sainte. Sainte. Le Seigneur est avec toi. C'est-à-dire, théologiquement, qu'est-ce que l'ange a dit à Marie? Théologiquement, la Bible nous dit que Marie comptait toujours sur la présence de Dieu en elle pour toute chose qu'elle faisait. Elle était comblée par la présence du Seigneur. Le Seigneur est avec toi. Il ne t'abandonne pas. Tu comptes toujours sur lui. Il parle à travers toi. Une sainte. Elle était habitée. Habitée. Mmh. Complètement habitée. Ça, c'est le premier texte. Un deuxième? Oui? On le lit? On le lit. Parfait. Donc, notre deuxième texte ou attestation ne nous vient pas des évangiles. Mais ce texte nous vient d'un apôtre exemplaire, missionnaire, qui aimait de tout son cœur l'Église et Dieu, bien sûr. Le Christ était pour lui le pilier de sa vie. Saint Paul, dans la lettre aux Romains, au chapitre 8, versets 29 à 30, écoutons ce que Saint Paul nous dit. Ce que d'avance, il connaissait. Il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils. Tu peux arrêter là, parce que le texte, il faut savoir le décortiquer. Tous ceux que d'avance, il connaissait. Ok, ceux qui d'avance, il connaissait. Dieu connaissait Hélène, Dieu te connaissait, Dieu connaissait Juan Carlos. Il les a destinés à être configurés à l'image de son Fils. Photocopie. Photocopie. Dieu te connaissait, Dieu la connaissait, Dieu me connaissait. Pour que je sois, il a voulu nous destiner pour que nous soyons des photocopie destinée à l'image de son Fils. À l'image de son Fils. Si son Fils, Jésus-Christ, est saint et qu'il nous a destinés à être les photocopies de son Fils, du Christ, c'est-à-dire que Dieu veut pour nous la sainteté ou non? Oui, Dieu veut pour nous la sainteté. Deuxième question. Si nous devenons de vraies photocopies de la sainteté du Christ, est-ce que nous sommes saints à la moitié? Non. Nous sommes saints. Point à la ligne. Alors, tu étais dans ses pensées et il t'a destiné à être comme le Christ, saint. Tout le monde, sauf Marie, C'est le contraire. Marie la première. Marie la première. C'était la première en Jésus. La première. Continue ton texte. À être configurée à l'image de son fils pour que ce fils soit le premier-né d'une multitude de frères. Ceux qu'il avait destinés d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il en a fait des justes. Et ceux qu'il a rendus justes, il leur a donné sa gloire. Alors, décortiquons. Ceux qu'il a appelés, alors, il t'a appelé, il t'a appelé, il m'a appelé, ça veut dire tout le monde. Tous les baptisés. Il les a destinés d'avance. Il les a destinés, nous savons à quoi? À être les photocopies du Christ, c'est-à-dire à la sainteté résumée. Il t'a choisi et il t'a destiné à la sainteté. Continue. Il en a fait des justes. Il en a fait des justes, ça veut dire la preuve que vraiment... c'est que vraiment, par le baptême, par ta foi, les deux t'amènent à la sainteté. Tu es justifié. Il les a rendus justes. Il les a rendus justes. C'est pas une théorie. Oui. C'est vrai que tu peux avoir la sainteté. Il les a fait justes, il les a rendus justes. Et après, il leur a donné sa gloire. Et après, il leur a donné sa gloire. Nous le savons aussi par la catéchèse que... lorsque nous retournons à la maison du Père au ciel, nous sommes des êtres glorieux. Ça veut dire les saints et les saintes autour du trône de Dieu qui l'adorons et qui le glorifions, nous partageons sa gloire pour l'éternité. Résumé de Saint Paul, il t'a choisi. Viens ici. Un objectif, lequel? Que tu sois comme mon fils Jésus-Christ. Il est comment mon fils? Il est saint. Saint. Je t'ai destiné à être saint comme mon fils. Troisièmement, oui, je t'ai destiné. Et en effet, la preuve, c'est que tu es justifié. C'est-à-dire, oui, par le baptême, ta foi, tes œuvres, ta pratique, tu deviens saint. Et finalement, après avoir travaillé pour la sainteté, une fois rendu au ciel, tu partages sa gloire. Tu fais partie de l'assemblée des saints et des saintes de Dieu. Encore la question, Hélène. Est-ce que c'est clair que tous les baptisés, tout le monde qui suivent ces enseignements, la doctrine de Jésus-Christ, a cette belle participation, cette opportunité de participer à la sainteté de Dieu? Est-ce que tout le monde a le droit? Tout le monde a le droit. Puis c'est extraordinaire qu'en 3 lignes, ce soit si bien expliqué. C'est énorme. Oui. Alors tout le monde a le droit. Tout le monde a le droit. Sauf Marie. C'est pas une question piège. Marie était la première. La première. La première. La première. Oui. Alors, s'il nous l'a promis à nous, imagine... comment Marie l'a eu la première. Oui, oui, la toute première est digne. C'est la mère de tous les saints, Marie. Et l'exemple aussi. Alors, mes amis, oui, Marie partage la gloire du ciel, la gloire de Dieu. Elle est sainte. Oui, nous pouvons l'appeler dans la prière du chapelet, Sainte Marie. Parce qu'en elle réside la grâce, parce que le Seigneur est en elle, et parce qu'elle partage la gloire des saints et saintes au trône de Dieu. Sainte Marie, Mère de Dieu, nous disons dans la prière du chapelet, Mère de Dieu. Nos amis qui ne partagent pas notre foi chrétienne, catholique, nous disent non, 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 Marie ne peut pas être la mère de Dieu parce qu'il n'a pas fait Dieu. Dieu existait depuis toujours et pour toujours. Elle n'a pas pu faire Dieu. Mais pour toi et pour moi, chers amis, pour nous ne croyons pas que Marie a fait Dieu dans le sens de modeler. Je veux faire qu'un bras soit comme ça, que les yeux et une couleur telle ou telle, que les cheveux sont... Marie n'a pas fait Dieu. Marie a porté dans son ventre le Sauveur du monde. Elle était porteuse de celui qui nous a donné le salut. Dans ce sens-là, elle est la Mère de Dieu, parce que tu le sais, et nous le savons, il n'y a aucun doute que le Christ est le Fils de Dieu et Dieu même avec nous. Il est l'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. Dieu avec nous. Alors, si le Fils est Dieu, la maman est la mère de Dieu. Ça, c'est l'explication. Mais montre-moi le texte biblique. Alors, on va donner un texte biblique, parce que c'est tellement beau que l'abbé Carlos parle. Oui, c'est beau, oui. Mais montre-moi ça dans la Bible. On va montrer ça dans la Bible. Avec Luc, oui. Au premier paragraphe, verset 43. Au premier chapitre, oui. Premier chapitre. Luc dit, puis Élisabeth dit... Encore la visite de Marie à sa cousine Élisabeth. D'où m'est donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi. Marie, est-ce que tu as bien lu? Parce que, est-ce que ça dit, d'où est-ce que ça m'est donné que la mère du voisin vienne me rendre visite? Non, c'est bien écrit que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi. C'était pas la mère du propriétaire du supermarché qui me rend visite? À moins que ce soit lui le Seigneur. C'était la mère du Seigneur. Répète la question d'Élisabeth. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur. Mon Seigneur. Pas de mon Seigneur pro, non. De mon Seigneur. Le mot que les évangiles utilisent pour dire Seigneur en français, vous le savez que les évangiles furent écrits en grec. Et le mot grec que les évangélistes utilisent pour dire Seigneur, c'est le mot Kyrios. De là que tu chantes à la messe, Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie vient de Kyrios, ce qui veut dire Seigneur, dans le sens de Dieu, la divinité. D'où m'est-il donné que mon Kyrios, la mère de mon Kyrios, vienne me rendre visite? D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne me visiter? La mère de Dieu. Kyrios n'est pas le monsieur du coin de la rue. Kyrios, c'est Seigneur, Dieu. L'Emmanuel signifie Dieu avec nous. Elle est la mère de Dieu. Visite de Marie à sa cousine Élisabeth. Moi, le fait que ce soit sous l'influence directe de l'Esprit Saint qu'Élisabeth a pu s'exprimer de cette façon-là, ça me parle tellement. Parce que toute la parole de Dieu est inspirée de l'Esprit Saint. Oui. Puis elle a conçu de l'Esprit Saint. Oui. Alors il parlait de quelqu'un qui connaissait, Oui, absolument, absolument. C'est beau, c'est beau. Il y a encore un autre test qui nous démontre que Marie est la mère de Dieu. Il y a un autre. Oui, il y en a un autre. Cette fois-ci, le texte est tiré de l'évangéliste Saint Matthieu au chapitre 1, verset 23. Les deux évangélistes qui parlent au sujet de Marie, dans leur texte, dans leur évangile, c'est Matthieu et Luc. Matthieu 1, 23. Même si dans les explications, on l'a déjà mentionné, on va le reprendre. Écoutons. Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. En lui donnant le nom Emmanuel, Emmanuel, ça veut dire que Jésus a reçu une mission pour le monde entier. Quelle est sa mission? Il sera pour le monde et pour tous les âges l'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec le voisin. Non. Qui? Dieu lui-même. Dieu avec nous. Il vient de Marie, il est le Fils, il est Dieu avec nous et il est la mère de Dieu, Dieu qui se trouve parmi nous. Deuxième texte qui atteste que oui, Marie est la mère de Dieu. Comment ne pas croire? Comment ne pas croire? Tout se trouve dans la Bible aussi. Tout. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous. On va arrêter là. Prie pour nous. Ce prie pour nous se trouve dans la Bible aussi. Le texte se trouve dans le contexte des noces de Cana. Il y a beaucoup de gens qui célèbrent des noces. Les apôtres étaient là. Jésus était là et n'oublions pas que Marie se trouvait là aussi. Elle participait à ce grand banquet. Écoutons le texte. Il est un peu plus long, mais on va voir clairement que l'heure de Jésus n'était pas encore arrivée. C'était pas l'heure pour faire des miracles. Il apprenait, il se préparait, il préparait sa mission. Probablement qu'il était en train de savoir, de se faire une idée de quelle sorte d'église qu'il laisserait pour le monde et pour tous les âges. Il se préparait. Son heure de faire des miracles dans sa vie publique n'était pas encore arrivée. Et c'est par l'intercession, par la supplique, par la prière de Marie, par la demande, par la requête de maman Marie, sa maman, la maman de Jésus, que le miracle a eu lieu. Parce que l'heure n'était pas arrivée. Marie, par sa requête, a accéléré. Dépêche-toi! J'ai pensé l'heure. Oui. Excusez-moi. Dépêche-toi! Il faut que l'heure arrive parce qu'il n'y a plus de vin. Écoutons le texte de l'évangile de Saint Matthieu. Le troisième jour, il eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Tu peux arrêter là. Il se trouvait dans la fête. Il n'y avait plus de vin. Marie prend l'initiative, elle s'adresse à son fils et lui dit, « Nous n'avons plus de vin. »« Nous n'avons plus de vin. Fais quelque chose. Ne laisse pas les choses comme ça. On fête, on s'amuse. Que c'est beau. Mon fils, fais quelque chose pour nous. » Continue. Jésus lui répond, « Femme, que veux-tu de... Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Alors, est-ce que Marie a imploré? Est-ce qu'elle a supplié? Est-ce qu'elle a demandé? Est-ce qu'elle a fait une requête à son fils d'accélérer son heure? Elle lui a demandé. Elle lui a demandé. Oui. Oui. Est-ce qu'il l'a fait? Il l'a fait. Il l'a fait. Est-ce que tu avais fini ton texte? Pas tout à fait. Ok, tu peux le finir. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Celui-ci goûta l'eau changée en vin. Tel fut le commencement des miracles que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Ça veut dire que Jésus a fait le miracle. Jésus a fait le miracle. Il n'y avait plus de vin. Marie a demandé, fais quelque chose. Il a procédé, même si son heure n'était pas encore arrivée. Par sa demande, il a changé l'eau en vin. Alors que Marie peut intercéder pour que les miracles de Dieu aient lieu parmi nous et en nous, oui, elle peut le faire. Elle est la mère de Dieu. Elle est la mère de Dieu. Elle l'a fait pour le premier. Imagine si elle peut continuer. Tu ferais toutes sortes de choses pour tes enfants, non? Oui. Pour leur bien, par amour, pour qu'ils soient bien. pour qu'ils soient heureux. Tu ferais beaucoup de choses pour eux, n'est-ce pas? Tout en mon possible. Et Marie aussi le fait pour son fils et pour nous. Voilà, très bien. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous maintenant, pécheurs. Où est-ce qu'on trouve ça dans la Bible, qu'on est des pécheurs? Il y a plusieurs textes, mais je veux partager avec vous deux textes de la Bible. Le premier qui est tiré de la première lettre de l'apôtre Saint Jean au chapitre 1, verset 8. Ce texte nous démontre que nous sommes tous et toutes des pécheurs. Avant qu'Hélène le lise, c'est souvent que j'entends les gens dire « Moi, je ne vais pas à la confesse. J'ai pas besoin de ça, j'ai pas de péché à moi. J'ai pas tué personne, j'ai pas volé, j'ai pas pris la femme de mon prochain. Je suis bien, je suis pas un voleur. Non, je connais le bien et je crois en Dieu. Je ne pratique pas du tout, je ne vais pas à l'église, je ne veux rien savoir, mais j'ai la foi et j'ai pas de péché. J'ai pas besoin de demander à Dieu de me pardonner. Pas du tout. » Écoutons ce que Saint Jean nous dit dans sa lettre, sa première lettre, au chapitre 1, verset 8. Et retenez cette phrase des gens. « J'ai pas besoin d'aller à la confession. Je ne suis pas un pécheur. » Retenez-la et écoutez Saint Jean. Hélène? Jean 8, 44. Vous avez pour... Vous aussi, ok. Vous avez pour père le diable. Ok. Quand vous ne procédez pas bien, ok? Quand vous ne procédez pas comme il faut, selon le désir de Dieu, vous avez... Comme père, le diable. Ok. Et vous cherchez à réaliser les convoitises de votre père. Ok. Depuis le commencement, il a été un meurtrier et il n'a pas persévéré dans la vérité, car il n'y a pas de vérité en lui. Il n'y a pas de vérité en lui. Ça finit comme ça? Non. Okay. Okay. Quand il dit le mensonge, il le tire de lui-même, parce que le diable est menteur et père de tout mensonge. Parfait. Le diable est le père de tout mensonge. On va faire un petit ajustement à notre discours. Parce que moi, j'ai mentionné le texte de la première lettre de l'apôtre Saint Jean, au chapitre 1, verset 8, mais Hélène a lu l'autre texte. Alors, il n'y a pas de problème. Reprenons. On va reprendre le texte. Reprenons ce que je vous avais dit et on va finir par le texte du diable, le père de tout mensonge. Reprenons. J'avais dit, je n'irai pas à la confession. J'ai pas de péché à moi. Non, je suis très bien, un enfant de Dieu, je crois en Dieu, j'ai la foi, mais j'ai pas de péché. Maintenant, on va lire le deuxième texte, Hélène, de la première lettre de l'apôtre Saint Jean, chapitre 1, verset 8, pour savoir, quand tu dis, j'ai pas du tout de péché à moi, si c'est vrai ou si c'est faux. Écoutons maintenant. Si nous disons que nous sommes sans péché, si nous disons que nous sommes sans péché, l'abbé Carlos, j'ai pas de péché, j'ai pas besoin d'aller à la confession. Si nous disons ça, nous nous séduisons nous-mêmes. Nous finissons par croire que c'est vrai. Et la vérité n'est pas en nous. Et la vérité n'est pas en nous. Nous sommes tous et toutes des pécheurs. Et nous avons tous et toutes besoin d'être pardonnés. Le Père veut nous pardonner à travers ses ministres. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous ne disons pas la vérité. C'est ce que Saint Jean vient de nous transmettre. Et affirmer que nous n'avons pas de péché et ne pas être dans la vérité, ça veut dire suivre le Père de tout mensonge. Et là, le texte sera lu. Parce que nous apprenons par le texte qu'Hélène va lire que celui qui dit des mensonges et qui agit selon les mensonges qu'il dit suit obéis, crois au Père de tout mensonge, et le Père de tout mensonge, vous le connaissez. Maintenant, Hélène, prenons le texte qui vient de l'évangile de Saint Jean, au chapitre 8, verset 44. Le diable est le père de tout mensonge. Écoutons. Vous, vous avez pour père le diable, et vous cherchez à réaliser les convoitises de votre père. Depuis le commencement, il a été un meurtrier, et il n'a pas persévéré dans la vérité, car il n'y a pas de vérité en lui. Il n'y a pas de vérité en lui. Le diable déteste la vérité. Il aime le mensonge. Quand il dit le mensonge, il le tire de lui-même. Ça vient du fond du cœur. Il prononce le mensonge et ça vient des entrailles même. Parce que le diable est menteur et le père de tout mensonge. Le diable est menteur et le père de tout mensonge. Alors, quand tu dis tes mensonges dans toute ta conviction que tu n'as pas de péché en toi, tu agis au nom du père de tout mensonge. Tu n'agis pas au nom de Dieu. Voilà deux textes pour démontrer que nous sommes pécheurs. La Bible, c'est la Bible qui parle. Et la Bible, nous le croyons, et la parole de Dieu même. Il nous parle. On continue? Oh, oui! Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pécheurs! Et on finit la prière en disant, maintenant et à l'heure de notre mort. Alors, à l'heure de notre mort, est-ce que Marie peut être là à l'heure de notre mort? Oui. Nous allons voir dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 19, versets 25 à 30, que Marie était là, qu'elle accompagnait son fils qui était crucifié sur le mont Calvaire, et l'a accompagné durant son agonie. Maintenant, et à l'heure, maintenant, elle l'a accompagné dans les heures de son agonie, et au moment de remettre son esprit, elle était encore là, au pied de la croix. Marie prie pour nous maintenant, dans notre souffrance, dans notre peine, dans notre agonie aussi, et à l'heure de notre mort. Comme toi, tu as accompagné ton fils sur le mont Calvaire, le Golgotha. Écoutons, Saint Jean, chapitre 19, versets 25 à 30. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère. Qui? Sa mère. Sa mère était là. Que personne vienne me dire, Juan, Marie n'était pas là. Répète. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère. Maman, Marie était là avec son fils. Et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas. Et Marie-Madeleine. Alors, maintenant, durant tout ce laps-là de l'agonie, Maman Marie, sa sœur et l'autre, Marie-Madeleine, étaient là, au pied de la croix. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Est-ce que Marie était là? Oui. À l'heure de sa mort? Oui. Alors, Maman Marie, nous te demandons deux choses. D'abord, prie pour nous, parce que nous sommes pécheurs. Nous avons besoin de pardon. Et deuxièmement, ne nous abandonne pas au cours de notre vie, maintenant. Et surtout, à l'heure de notre mort, comme toi tu as été au pied de la croix, sois aussi avec nous. Près de nous, nous avons besoin de saisir ta main. Mais... maintenant. Maintenant. Oui, c'est un beau mot. Maintenant. Et c'est très, très beau. Fais la même chose. Marie avec nous. Maintenant. Que ma main soit avec la tienne à l'heure de notre mort. Très bien. Super bien. Et le mot Amen, Hélène, Jésus l'a répété à Dieu ne sait pas combien de reprises. Amen, Amen, je vous le dis. Excusez-moi, c'est mon caméraman. Amen, Amen, en vérité, je vous le dis. Nous l'entendons, ces paroles-là, nous le voyons dans les évangiles que nous proclamons le dimanche. Je ne sais pas combien de reprises il a prononcé « Amen, Amen, je vous le dis ». On va finir avec le dernier texte et avec le troisième enseignement. Parce que vous, les catholiques, vous répétez, et vous répétez, et vous répétez vos prières. Et savez-vous pourquoi que nous répétons nos prières? Parce que le Seigneur Jésus nous a appris à répéter. Il priait en répétant. Si vous ne le saviez pas, dans la Bible, nous trouvons que Jésus répétait ses prières. Il nous l'a appris. D'abord, il nous a appris, quand vous priez, dites. Il n'a pas dit une seule fois dans la vie, dites. Il a dit, quand vous priez, dites. Combien de fois? Toutes les fois que vous voudrez. Notre Père qui est aux cieux. Et la prière continue. D'abord. Ensuite, sur la croix, les paroles du Seigneur sur la croix, c'était des psaumes qu'il répétait. Sur la croix, il était en train de prier, de communiquer avec son Père à travers les psaumes. Il répétait des psaumes. Et voici une autre attestation qui nous vient de l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 28, verset 44. Nous voyons dans le texte qu'Hélène va lire, c'est le dernier de tous les textes que Jésus répétait. Il priait en répétant. Écoutons. Les laissant, de nouveau, Jésus s'éloigna. Il était avec les apôtres et il s'éloigna pour prier. Les laissant, de nouveau, et pria pour la troisième fois en répétant les mêmes paroles. Ok. Il pria. Il était en prière. Pour la troisième fois, 1, 2, 3. Pour la troisième, en répétant. La troisième fois, en répétant les mêmes paroles. En répétant les mêmes paroles. Vous, les catholiques, vous répétez, répétez, répétez. C'est tannant. Le Seigneur nous a appris à répéter. Il s'éloigna, les apôtres étaient loin. Il s'éloigna. Et il a repris sa prière à 3 reprises. Il s'est mis en prière à 3 reprises en répétant les mêmes paroles. Nous avons le droit à répéter. Nous avons le droit. Voilà mes amis, notre troisième et dernier enseignement finit comme ça. Excusez-nous avec le caméraman qui a... Notre vidéo était comme ça, un peu penchée, mais vous étiez toujours là, nous étions toujours ici, c'est pas grave. Alors, c'est juste spontané. Que votre amour soit vrai, sincère, solide, bien fondé. Maman Marie t'aime, nous aime dans l'amour infini. Que notre amour pour elle soit vrai, solide et sincère. Amen. 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 Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.